Jour 7. Ton matin de Cablehead. Ma place préférée. Ça fait dodo ici. On va parquer la van juste là. Là, on s'en va prendre une marche, puis après ça, on part pour le ferry. On s'en va au ferry pour traverser en Nova Scotia. Quelle péripétie nous attend? Est-ce qu'il y en a? Il y en a-tu pas? On va se rendre, on va voir. Nova Scotia, here we come. Thank you so much. Yay! Lane 7. Hey, on va tous les premiers. C'est là. Jean-Baptiste Ferry, Alex Jess. Woo! Made it! Alex a le mal au cœur. Battery dead. What the f***? Notre première place en Nouvelle-Écosse. Là, je vais essayer de partir la vanne depuis qu'on a manqué de batterie. Ouh, faut qu'elle parte demain matin et tout. Jour 7! Non, 8! 8! Mutel, la petite ville de Chetican. On a dormi ici. Là est le moment de vérité. Ok, bravo. On porte le même linge à cause qu'il fait frais tous les jours, puis on n'a pas pacté pour ça. Non, là, je suis en t-shirt de bain, ils l'ont pas vu ça, là. So, je voulais juste vous expliquer pour que ça drive un peu dans la vidéo. Hier, on s'est fait booster, sparker, God knows what, c'était quoi, là. So, c'était Domain. Domain, il a arrêté en premier, mais là, il y avait pas de câble à booster. Après ça, un petit couple âgé a arrêté. Avait des câbles à booster, mais savait pas les utiliser. So, il a prêté ses câbles à booster à Domain. Domain, il a connecté ça sur ma batterie. Il y a des sparks qui sont sortis. Paf, la vanne à part. Let's go. Ici, on y va. Fait que là, on est allé sparker à une place. J'étais un peu stressée que à matin, ça partirait pas. À matin, elle a parti. Là, on est comme, ok, on s'en va à un garage se faire checker. On s'en va au gas station pour aller aux toilettes. On en repart du gas station. On s'en va au garage mécanique. On rentre, le monsieur il dit « Looks like you're having a problem ». Là j'ai dit oui. So là, je bouge pour aller à ma van, pas ma van, pas plus. So on était à la bonne place pour manquer de batterie. So là, il a checké la batterie. Et la batterie, toutes les câbles étaient lousses. Au point qu'il pensait que c'est quelqu'un qui nous a fait un tour. So c'était ça le problème. 23 pièces juste pour qu'il tape nos câbles. Ouais, il m'a chargé 20 pièces. Whatever. Ben gentil. So là, on va visiter autour et on va essayer qu'il y ait un camping à Inganish Beach. Jess, elle me laisse pas ramasser de l'ice cream. Nulle part, elle veut pas que je ramasse des snacks pour qu'on aille à Lighthouse Ice Cream. La Lighthouse Ice Cream, elle a l'air fermée depuis 1982. Permanently closed. The Lighthouse Ice Cream Parlor. Ouais, c'est la même Lighthouse. On a la misère. Ah ben, we tried. Pour ceux-là qui veulent voir, voici Neil's Harbor.
le harbor à Neil. Neil, il est bien cute. Moi, je tiens à préciser que c'est aussi un peu redneck, les petites villes sur la gabette. Ouais, on est un petit peu chat. Ouais, tout chat. A l'air comme vandalisé. On est dans un parc là. Ça devrait être bien facile de trouver nos affaires là. On l'a trouvé! Woo! Google Maps, c'est bien mieux qu'Apple Maps, moi vous dire. Woo woo! Retourner à notre camping, on traverse sur des pebbles, on traverse sur un patio, on traverse un terrain de soccer, on prend des escaliers, un trail de hike, pas planifié, on traverse un chemin, d'autres escaliers, un autre chemin, beaucoup d'autres escaliers. Genre trail de 4 roues. Une marche dans le campground. Soleil. Et finalement, arrivé à la van. Un petit workout. Ton masque. La hurricane Fiona a ruiné le restant de nos plans. So. Aux îles de la Madeleine, c'était Hurricane Sam. Si. Là, Fiona est ici. C'est quoi, moi, puis les hurricanes? C'est quoi, là? OK, bye. Bye.